était une fois, dans une forêt loin d'ici, trois petits cochons et leur maman. Ils vivaient paisiblement. Mes enfants, levez-vous, allez, on va déjeuner. C'est la dernière fois que je vous appelle. La nourriture va froid. Bonjour, maman. Mes enfants, maintenant que vous êtes grands, vous devez commencer vos vies. Vous devez quitter la maison. Et n'oubliez pas, si vous faites quelque chose, faites-le du mieux que vous pouvez. Mais non, maman, nous sommes pauvres adultes. Comment fait-il le loup apparaît? C'est vrai qu'elle dit ça, nous ne pouvons pas sortir comme ça. Mais vous êtes grande, à la maison n'est pas très grande. Allez créer votre propre maison et vie. Je vous ai donné toutes les clés pour survivre. Faites attention aux prédateurs. Les cochons sont sortis pour voir où ils peuvent construire leur maison. Chacun a pris des matériaux différents. Le petit a choisi de faire sa maison en paille. Le moyen a choisi le bois. Et le grand, la brique. Le petit a fini sa maison très rapidement le premier jour. J'ai fini! Fais-toi une maison très solide, car le loup vous pourrez manger. C'est pas vrai, ma maison est très bien comme ça. Laisse-moi m'en faire. Le loup a paru et le regardait furtivement, caché derrière les arbres. Ils sont pensés vraiment que je ne veux pas apparaître. Je vais le faire le pur. Aouh! Le moyen cochon a fini sa maison en bois 2 jours plus tard. C'est pas tout résistant, comment ça va te protéger? Mais c'est plus résistant que l'autre, mais ça c'est très fiable. J'ai entendu le loup, je t'aurais averti. Il ne va rien se passer, ne t'inquiète pas, le loup ne viendra pas. Ok, c'est ta décision. Quelques jours plus tard, le plus grand cochon a fini sa maison en brique pendant que les deux plus jeunes jouaient. Demain, je passe à l'attaque. Je vais commencer par la maison en pelle. C'est qui? Ouvre-moi, sinon je vais souffler sur la maison. Non, tu peux pas. C'est moi, ouvre-moi. Non, tout moi, toi le loup, je sais. Mais non, vite, il ne va pas manger. Merci. C'est qui? Ouvre-moi, sinon je vais souffler sur ta maison. Non, tu ne peux pas, c'est très solide. Oui, oui, tu ne pourras pas le détruire. Non, je vous avertis plusieurs fois de faire maison solide. Allez, allez, ils s'approchent de nous. Je vous avais dit, ah bon, d'accord. La maison ne bouge pas. Le loup monte sur le toit de la maison. Il entre dans la cheminée. Pendant ce temps, le grand cochon fait un feu. Le loup descend la cheminée et en arrivant en bas, ses fesses sont brûlées. Aïe! 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 Je vous avertis, je vous avertis. Il était une fois dans une forêt, loin d'ici, trois petits cochons. Et leur maman, ils vivaient paisiblement. Mes enfants, levez-vous, allez, c'est la dernière fois que je vous appelle. La nourriture va être froide. Bonjour, maman. Bonjour, maman. Mes enfants,
Maintenant que vous êtes grande, vous devez commencer vos vies. Vous devez quitter la maison et n'oubliez pas que si vous faites quelque chose, faites-la de mieux que vous pouvez. Mais non, maman, nous ne sommes pas vrais adultes. Qu'est-ce qu'on va faire si l'eau apparaît? C'est vrai qu'elle disait que nous ne pouvons pas sortir comme ça. Mais vous êtes grande et la maison n'est pas très grande. Allez créer votre propre maison et vie. Je vous ai donné toutes les clés pour survivre. Fais attention aux déprédateurs. Les cochons sont sortis pour boire. Ils pour construire leur maison. Chacun a pris des matériaux différents. Le petit a choisi de faire sa maison en paille. Le moyen a choisi les voies. Et le grand, la brique. Coucou! Le petit a fini sa maison très rapidement le premier jour. J'ai fini! Faites vos maisons très solides. Quand la loup pouvait manger. C'est quoi ça? Ma maison est très bien comme ça. Laisse-moi faire. Ok, c'est ton décision. Le loup apparut et le regardait furtivement caché derrière les saves. Ils vraiment pensent que je ne veux pas apparaître. Je vais faire leur peur. Aouh! Aouh! C'est le loup! C'est le loup! On va se cacher! Le moyen cochon a fini sa maison en bois 2 jours plus tard. Fini! Mais c'est pas trop résistant. Comment ça va te protéger? Maïs est plus résistant que l'autre maison est très fiable. Je t'ai dit, j'ai entendu le loup. Tu es avec toi. Il ne va rien passer et n'inquiète pas. Et le loup n'a pas vu. Ok, c'est ta décision. J'ai fini. Quelques jours plus tard, le plus grand cochon a fini sa maison en briques pendant que les deux plus jeunes jouaient. Demain, je vais attaquer. Je vais commencer par une maison en paille. C'est qui? Ouvre-moi, sinon je vais souffler. Non, tu peux pas. C'est moi, ouvre-moi. Oh non, mais tu es le loup, je sais. Mais non! Vite, il va me manger! Merci! C'est qui? Ouvre-moi, sinon je vais souffler sur la maison! Tu ne peux pas être très solide. Oui, tu ne pourras pas le détruire. C'est très solide comme ça. C'est qui? C'est nous! Ouvre-nous! Non, je vous avertis plusieurs fois, je dis fais ton maison solide. Allez, vite, il va nous manger. Je vous avertis. D'accord. La maison ne bouge pas. Le loup monte sur le toit de la maison. Il entre dans la cheminée. Pendant ce temps, le grand cochon fait un feu. Le loup descend la cheminée et en arrivant en bas, ses fesses sont brûlées. Aïe, 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 aïe. Je vais revenir, je vais avertir. Aïe, 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 C'est certain. Et SN1, bien 1
et prise 1. T'es certain? Oui. Le pont? Ok, c'est bon. Attends, là, c'est juste, c'est pas juste dire le texte. Mettez un peu d'émotion. D'accord? Comment on fait, c'est attends, le. Un petit peu, un peu. Attends, faut que t'attendes l'action. Mes enfants, maintenant. Maintenant que vous êtes grand. Et le loup va faire barbecue. Pourquoi? Parce qu'il veut manger. Il n'a pas d'argent. Ok. Et le loup va faire barbecue. Essendu, plan 2 et prise 1. Très bien. 1. Lisa, t'es prête? Le oui. Son? C'est pas vrai, ma maison est très bien comme ça. Non! C'est pas vrai, ma maison est très bien comme ça. Laissez-moi faire. C'est pas vrai, ma maison est très bien comme ça. Laissez-moi faire. Non, tu me regardes encore. Annonce. Le loup va faire le barbecue. Essendu, plan 6 et prise 1. Non. Non? Oui. Ok, c'est ta décision. C'est... Ah, non, tout... Reprends, c'est correct. Non, je vais avoir plusieurs fois de faire maison solide. Reprends-le, c'est correct. Reprends-le tout de suite. Mes enfants, allez, dépêche-toi. Ok. Voilà. Je veux... Ouais. Par contre, c'est parce qu'il faut que je me déplace. Ah. Prends son son, elle. Non, non, tu c'est prends bon, encore le debout. Son de Erline, okay? OK? OK. OK. Je ne sais comment me donner un bon idée. Ah, je te réavertis. Ah, c'est pas grave. Je te réavertis. 2, 3, action. Ah, je te réavertis. Non, mais là, tu m'en regardes. Sans regarder, Ernest. La même pas. Chose, c'était parfait. Lila, tu peux le lire. Tu peux le lire. Je veux juste que tu ajoutes un peu de colère, un peu de fâché, énergie. Non, tu n'es pas... Non, tu n'es pas... C'est correct, c'est okay, bon. Okay. Non, je vous appelle plusieurs fois.